Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais pas parler trop fort parce qu'il est très tôt, mais ça y est, c'est le vlog de départ. Je suis trop contente de filmer, mais en même temps très stressée et en même temps très excitée. C'est vraiment un mélange de plein de choses. Mais du coup, je suis prête. Là, il manque juste à faire mon lit et à dire au revoir ma chambre pour un an. Mais voilà, je vous embarque avec moi dans ce petit vlog de départ direction les USA. Il est, je sais pas, doit être 4 heures passées. On voudrait avec mes parents partir pour 5h30, j'espère qu'on va y arriver. Et mon vol est à 14h45, enfin bref, vous allez suivre tout ça et bah, je vous emmène avec moi. On va aux États-Unis ensemble, donc bah, c'est parti, on va dire au revoir à cette petite chambre. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy. Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. Leave me, baby. Don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it. Maybe separate is better, better. I will love it till forever, forever. Donc là, je pense que ça va être la suite du vlog de départ. Donc là, ça fait une semaine que je suis arrivée dans ma famille d'accueil. Ça se passe assez bien. Le début a été compliqué, mais c'est normal. Au début, c'est toujours un petit peu compliqué. Et après, bah, ça va de mieux en mieux.
Du coup, je vous mettrai des petites images un petit peu de ce que j'ai fait la première semaine. J'ai pas beaucoup filmé, mais je vais vous mettre 2-3 images. Quand je suis arrivée, je me suis installée et tout. J'ai pas dormi la première nuit, donc j'ai tout de suite vidé mes affaires quand je me suis réveillée assez tôt. Je suis assez fatiguée, j'ai eu ma première semaine de travail. Bref, je vais vous faire un petit débrief. Donc, premier week-end, comme je suis avec l'ancienne au pair, elle m'a emmenée bruncher le dimanche matin avec ses copines et une nouvelle au pair française du coup que j'ai pu connaître, qui va être avec moi, donc pas très loin de chez moi, donc ça c'est super cool, elle est hyper gentille, voilà. J'ai visité ma chambre et tout, j'ai tout installé, je vais vous faire un petit room tour. J'ai fait connaissance avec les enfants, donc au début c'était compliqué parce que bon... Donc après ma première semaine a commencé de travail, donc l'organisation un petit peu c'est qu'on se réveille le matin, on s'occupe des enfants, donc on leur donne le petit déjeuner, on leur donne on fait la lunchbox et tout pour le plus grand, enfin bref j'ai un peu suivi du coup l'ancienne fille au père qui m'a montré vraiment comment tout faire pour la semaine, donc clairement je ne suis pas habillée comme ça toute la semaine, on va pas se mentir, la semaine de travail en fait on est en jogging pour s'occuper des enfants, surtout que c'est assez, comment dire, on a besoin d'être à l'aise, donc forcément on va pas s'habiller comme ça et tout. Pour les repas, si ça peut aider, moi j'ai ma famille qui cuisine, donc ça s'est super bien passé au niveau repas, juste c'est un peu spicy par rapport à la France et moi j'aime pas trop le piquant, donc ça a été dur. Comme j'aime pas beaucoup de choses aussi là-dessus, c'est dur, mais vraiment je suis vachement bien adaptée. J'ai fait que 3 restaurants pour l'instant, dont un fast-food qui était trop trop bon. C'est pas trop sucré, c'est pas trop gras, en tout cas celui que j'ai mangé. Donc voilà, tout s'est vraiment bien passé. Donc comme je vous dis, des fois il y a des moments qui sont un peu plus durs avec les enfants parce que forcément... Ils disent au revoir à l'ancien au-père qui est quand même resté un an et demi. Ils en ont une nouvelle, donc quand même forcément un petit peu compliqué. Mais sinon tout le reste aussi super bien passé. J'arrive à m'adapter, etc. Enfin voilà, que des petits trucs comme ça. Et puis je vais vous montrer, je vais vous faire un petit room tour. Peut-être un house tour plus tard quand je pourrai. Et puis voilà, donc là c'est mon premier week-end, enfin vrai week-end après ma première semaine de travail. J'ai pas prévu grand chose, je vous signerai tout ça si vous voulez, je le mettrai dans le blog. Donc c'est parti. Quand vous entrez, on est à la porte d'entrée de mon pied. Vous avez tout de suite le meuble comme ça, donc c'est une assez petite chambre mais elle est très moyenne. Je suis au deuxième étage avec toute la famille. Du coup vous avez un meuble comme ceci, donc avec tous mes rangements. Donc là j'ai mis un peu tout, maquillage, etc. Là c'est mes sous-vêtements, là mes vêtements. Mais non, là c'est mes soins. Ouais, j'ai pris beaucoup de choses, je sais. Là c'est des vêtements. Voilà. Là aussi des vêtements et le dernier il n'y a rien, c'est ce que l'ancienne fille au père m'a laissé. Là j'ai mis du coup ma petite boîte à bijoux avec mon sac. Ça c'est un petit truc que j'ai eu en cadeau, je vous montrerai le petit panier que j'ai eu en arrivant. Je vous mettrai une image, donc ça je l'ai eu en cadeau. La télé, la petite lampe, donc c'est trop drôle parce que en fait aux États-Unis les lampes elles s'allument genre comme ça et comme ça. Voilà, mais elle est trop mignonne. Là, du coup, la télé, une petite bougie que l'ancien opère m'a laissée qui sont trop trop bons. On a un miroir, un très grand miroir pour faire mes meilleurs outfits, hein, on va pas se mentir, très utile. Là, on a la fenêtre, donc avec la vue qui est vraiment très très belle. Ensuite, on va avoir la petite table de chevet, désolée, c'est un peu le bazar. Le lit. Est hyper grand mais hyper confortable. Et ensuite donc là comme je vous disais la porte d'entrée, donc j'ai le petit bienvenue avec un porte-manteau, porte d'entrée, etc. La lumière donc avec le ventilateur et là le petit dressing. Voilà, donc là le petit panier de bienvenue, là c'est ce que l'opère m'a laissé, j'ai accroché mes sacs, etc. Voilà, ma valise, enfin mes deux valises et 2-3 robes, 2-3 vestes.
etc. Donc voilà pour ma chambre. Donc c'est hyper beau. J'adore. Vraiment, j'adore. Donc voilà pour ça. Vraiment, j'ai trop hâte de découvrir le reste qui m'attend. Avec les enfants, ça se passe de mieux en mieux. Donc je pense que ça va continuer comme ça. Enfin, j'espère. Et je vous ferai des petits updates peut-être tous les 3 mois peut-être, je sais pas, je verrai encore. Et je vous ferai un update dans un mois, comment ça se passe, ce que j'ai fait, etc. Je vais vlogger dès que je fais quelque chose vraiment d'intéressant pour vous. Mais la semaine, bon bah faut pas oublier qu'on travaille, donc forcément on fait moins de choses. Mais voilà, donc je vais juste vous vlogger ce week-end pour continuer un petit peu le vlog d'arrivée, vous montrer un petit peu comment ça se passe. J'ai aussi conduit d'abord avec la Osmom, avec l'au-pair et ensuite toute seule. Donc ça se passe super bien. C'est pas trop différent de la France, c'est même plus simple. Mais faut s'habituer, c'est normal, les nouvelles voitures, etc. Donc c'est que des boîtes auto. J'ai ma propre voiture, donc ça c'est super. Donc voilà pour les news. Je voulais pas vous filmer tout de suite à mon arrivée parce que déjà j'ai pas pu, j'étais très fatiguée. Donc là, vu que ça fait une semaine, voilà. Donc je vous retrouve un peu plus tard et puis voilà, je vous dis à bientôt. Hey, je vous retrouve parce qu'en faisant le montage de ma vidéo, je viens de voir que j'avais oublié de vous raconter ce qui s'est passé à l'aéroport. Du coup, je vais vous raconter. En gros, je suis allée, donc c'est la première fois que je prenais l'avion, donc peut-être que vous allez trouver ça normal, mais moi c'était pas le cas. Donc faut savoir que j'arrive à l'aéroport, mon vol était à 14h45, j'arrive vers midi je crois. Je fais l'enregistrement, donc pour l'enregistrement, pour celles qui partent avec Cultural Care. On a un billet d'avion sur internet avec un numéro. Moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais vérifié mon vol si tout allait bien sur le site de la compagnie aérienne avec laquelle je partais. Donc j'avais vérifié mon vol, le numéro de vol. J'avais fait l'enregistrement 24 heures avant sur le site internet. J'avais choisi mon siège, par contre j'avais pas choisi mon menu parce que impossible, genre ça marchait pas, trop bizarre. Voilà pour ça, donc j'arrive à l'aéroport, je scanne ma carte d'embarquement que j'ai eue pendant que j'ai fait l'enregistrement en ligne. Ça me donne des étiquettes pour mes valises. Je vais faire peser ma valise pour la soute. Donc c'est passé nickel, c'est 23 kg, elle faisait 22 900. Parfait, donc je la mets en soute, etc. Je me balade un peu avec mes parents, il y avait ma grande sœur aussi. Je prends le temps de leur dire au revoir. Je passe pour aller à l'embarquement, donc à la porte d'embarquement. J'arrive et tout, je passe, il faut limite se déshabiller. Il vérifie tout, il vérifie les sacs, etc. Il faut tout enlever, il faut enlever sa veste, enfin bref, il faut enlever tous les vêtements qu'on a en plus sur nous. Pas, enfin, j'avais une veste autour de moi, il fallait que je l'enlève par exemple. On passe les portiques de sécurité et tout. Et là, on me dit, excusez-moi madame, mais en fait, dans votre valise cabine, est-ce que vous avez d'autres produits? Parce qu'en fait, on me dit, sortez les produits liquides de ce que vous avez. Donc moi, je sors les produits liquides qu'il y avait dans mon sac à dos. C'est moi qui étais bête pour le coup, mais je sors que ce qu'il y avait dans mon sac à dos. J'avais pas capté que la valise cabine y avait compté aussi. Je sors, donc ils mettent ça dans une pochette plastique transparente. Je passe et tout. Et là, le mec de la sécurité me dit, mais dans vos valises cabine, vous avez aussi des produits, en gros, des produits liquides. Et je dis, bah oui, j'ai 2 trousses de produits liquides. Je dis, mais il y a marqué que c'est autorisé d'avoir moins de 100 ml de produits liquides. Donc du coup, bah moi j'ai gardé ça comme ça. Sauf qu'en fait, il m'a dit c'est une pochette transparente par personne. Et dans cette pochette transparente, tout ce que vous mettez dans l'avion en produit liquide doit rentrer dans cette pochette transparente. J'avais 2 trousses de toilettes, donc clairement, rien n'aurait pu rentrer à part ce qu'il y avait dans mon sac à dos. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que... Il m'a dit, faut la mettre en soute. Donc j'avais le seum parce que je savais que j'allais payer. Donc je retourne à là où j'avais enregistré ma valise bien avant. Je dis, écoutez madame, je suis désolée, c'est la première fois que je prends l'avion, j'avais pas compris et tout. Et la dame me dit, je savais pas non plus. J'étais en mode, ok. En fait, la dame ne savait pas non plus que c'était qu'une trousse de toilette. Alors, par personne, et du coup, tout devait rentrer dedans. Donc je sais pas si vous le saviez, mais en tout cas, ça peut peut-être aider. Ou peut-être que c'est vraiment tombé que sur moi. Donc bref, je dois mettre ma valise en soute. Donc c'était 90 €. Et par chance, la dame a été voir son superviseur, elle demandait et tout, et j'ai pas payé. Donc je suis très contente, mais il faut savoir que j'ai eu de la chance là-dessus, mais j'aurais dû payer 90 €.
Donc faites bien attention à ça parce que clairement 90€ ça fait mal aux fesses. Donc je retourne là où j'avais passé les frontières pour aller à la porte d'embarquement. Donc je recommence tout ce qu'il fallait recommencer, ça a pris du temps et tout, j'avais chaud. Je vais à la porte d'embarquement, j'ai juste été changer ma monnaie. Pareil, si vous voulez changer votre monnaie, je vous conseille vraiment de tout faire avant d'aller à l'aéroport. Ne changez pas votre monnaie à l'aéroport parce que ça coûte plus cher. Genre, ils ont 5€ de commission. Donc en fait, j'ai donné 30€ et j'ai eu 20$. Et en gros, ça m'a coûté 27€. 27€ pour 20$. Ça fait un peu mal au cul, clairement. Du coup, là, donc, j'ai de la monnaie française avec moi, mais bon, ça va toujours servir pour quand j'entrerai. Du coup, voilà pour ça. Ensuite, je vais aller à la porte d'embarquement, j'attends et tout. Tout ça, je vous ai filmé. Je commence à embarquer, je sais plus à quelle heure. Je monte dans l'avion, tout se passe bien. Les 8 heures d'avion sont très vite passées. Enfin, c'était pas 8 heures, c'était un peu moins. J'arrive à l'aéroport, j'ai pas eu de soucis dans l'avion et tout. Et quand je suis arrivée à l'aéroport, donc pour vous expliquer, donc quand on arrive, donc moi je suis arrivée à l'aéroport de Philadelphie, je n'ai eu aucun changement, j'ai vraiment eu de la chance là-dessus aussi. Donc, faut juste passer les frontières, ils vous posent 2-3 questions, il n'y avait personne, donc j'ai presque pas attendu, ça allait très vite. Je passe les frontières, je récupère ma valise et ma famille a pas pu se garer et vient me chercher à l'aéroport. Du coup, j'ai dû trouver le parking et aller les rejoindre. Ils m'attendaient avec une pancarte trop mignonne que je vous ai montrée dans la chambre là. Et du coup, voilà, et après on est allé à la maison. Voilà un petit peu pour ma mésaventure de l'aéroport, mais si ça peut en aider certaines. Bah, je suis contente de vous le dire. Et en fait, j'étais en train de faire le montage pour ma valise, montage vidéo de comment j'ai fait ma valise. Et du coup, j'ai pensé à ça. Donc, d'ailleurs, j'ai bientôt publié la vidéo, donc le vlog viendra beaucoup plus après, le vlog de mon départ. Mais voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste clôturer ma vidéo concernant mon départ aux États-Unis. Du coup là ça fait aujourd'hui 3 semaines, enfin hier ça a fait 3 semaines pile que je suis arrivée. Et en fait j'avais pas encore clôturé la vidéo parce que je voulais vous montrer 2-3 trucs. Mais je pense que c'est suffisant pour maintenant. Ce week-end j'ai fait beaucoup de trucs mais ça servait à rien de filmer. Je pense que je ferai des vlogs pour mes voyages quand je voyagerai vraiment plus organisés, ce que je veux dire. Désolée, je trouve pas trop mes mots. Je suis désolée pour la lumière, j'ai pas mon flash et tout, c'est dans ma chambre et là je suis dans le salon. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ce vlog départ vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez en savoir plus sur l'aventure fille au père. Je sais que j'ai du mal à poster souvent, mais je vais vraiment essayer de poster dès que je peux. C'est pas facile, surtout que là je venais d'arriver, donc j'avais beaucoup de choses à faire. Maintenant que je suis un peu plus installée, j'espère pouvoir poster plus régulièrement et j'espère avoir des vidéos, des idées de vidéos YouTube. N'hésitez pas à me poser des questions si vous souhaitez, j'aimerais bien faire une vidéo questions-réponses. N'hésitez pas non plus à me suivre sur TikTok et Instagram. Je ferai peut-être une boîte à questions pour une future vidéo. Donc si vous voulez participer à cette vidéo, n'hésitez pas. Et puis voilà, je crois que c'est tout. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines bonnes aventures. Et voilà, ciao !